Ah mais c'est pas le même. On mettait du sang pour vérifier la température après avoir retiré les cendres. Il fallait 3 quarts d'heure, 1 heure de cuisson. C'est le four, ouais. Lisette. Le four à pain ? Ça va faire bouger la bouture, hein, de façon à la trier. Donc il y a des grosses grilles, des petites grilles, et ainsi de suite. Mon tour représente un pays. Mais je pense que ça va être là-bas. Hein. On peut de la France ou des Pays-Bas. Bah, c'était bien cool, on a bien appris. Ouais, on a découvert plein de choses, surtout bah moi je connaissais pas le souterrain de Kroll, puis c'était pas mal. Bon, à part que ça a effondré, mais bon. Le tour de Kroll aussi, c'était sympa, ça fait voir des coins qu'on connaissait pas. Ouais, la garde 3 mois, c'était devenu un bar, j'aurais jamais deviné si on n'avait pas fait la chasse au trésor. L'activité était sympa, comme d'hab on a toujours gagné. Bien aimé, on s'est un petit peu baladé, hein, ça change des cours. On est allé visiter la boulangerie, là. Ils nous ont dit qu'ils avaient continué leur levain depuis qu'ils l'ont commencé là, en 1984. Je savais pas qu'il y avait Henri IV qui était venu à Kroll au château. Bah, la visite du moulin était vachement sympa. Ouais. Le monsieur expliquait comment il fonctionnait, les rénovations qu'ils ont fait dessus. Après, l'artisan de confiserie aussi, comment il travaillait, c'était. Et puis les goûts qu'ils arrivaient à mettre sur les confiseries étaient super, super intéressants. On est monté dans Kroll, on est allé visiter la fromagerie, ça m'a bien plu. Mm-hmm. On a goûté le fromage aussi. Et c'est quoi les lieux que tu as préférés ? Le moulin. Ouais. Je trouvais surtout que c'était quand même plutôt bien. Ils maîtrisaient quand même bien les techniques pour transmettre une énergie. Ils avaient différentes façons de faire. Et ouais, ils se débrouillaient quand même pas mal dans le temps quand même.